Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Final Fantasy X HD Remaster. Et on recommence déjà avec un combat de boss ultra cheaté. 30 mégalixirs, parfait. Allez, on va tester, on va voir si je me fais one shot comme contre l'espèce de chocobogre. Ou si c'est un combat qui va durer 40 minutes contre le méga behemoth. Oh putain, solo. Donc il n'y a que 3. Flash bombe, allez, tous morts. Ah non, ah si, ah non, y'a que Waka qui a survécu et qui va se faire tuer immédiatement. Putain, 20 000. Non mais sérieux. Bon. Au moins je gagne les objets, les 30 mégalixirs, c'est déjà ça. Ouais, je me suis fait battre avec des monstres de merde là. Acheter des objets, je vais racheter des queues de phénix déjà. Je vais peut-être pas en acheter 99, je vais en acheter 89, voilà. Comme ça je me garde un petit peu de marge. Si je peux en obtenir pendant les combats. Acheter des armes. Alors déjà, à la base, j'étais venu pour récupérer l'objet pour les sœurs Magus, bien sûr, et récupérer capture pour Auron. Oui. Alors avant de continuer à lui parler, je vais aller chercher les armes qui sont placées à des emplacements spécifiques sur la map. Alors j'ai le guide sous les yeux. Enfin, faut que je retrouve la page, bien sûr. Et ça, ça va être pas mal pour les trouver rapidement. Il y a des armes pour Riku, entre autres. Et Kimari, Auron, je crois. Alors, donc c'est sur la map. Où est-ce qu'ils ont foutu, ça? Bien sûr, hein, je l'ai plus sous les yeux. Je crois que c'est au niveau de la recherche. Oh, je l'avais tout à l'heure. Merde, je sais plus sur quelle page c'est. Bon. Un instant. Ah bah non, bah je l'ai déjà, j'ai rien dit. Alors, désert de Sanubia. Alors attendez, faut que je regarde les coordonnées. Désert de Sanubia. 12, 6 pour X, entre 12 et 6. Là. Et Y, aux alentours de 60. Là. Temple de Bage. D'accord, je regardais pas le bon truc. Temple de Bage, c'est pour Anima, ça. Ok, bon, on verra ça plus tard. Donc là, j'ai dit désert de Sanubia, c'est 40. Donc ça va être plus par là. Non? Tu veux pas? Tu veux pas me donner le désert de Sanubia? Si. Allez, c'est parti. Désert de Sanubia. Tac, 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 tac. Oui. Donc c'est une arme pour Tidus avec PC x2. Donc ça, ça va pas faire de mal, vu que maintenant ils commencent à être assez costauds, ils ont du mal à évoluer. Enfin, assez costauds. Pour la trame principale, ils sont assez costauds, mais pour tout ce qui est optionnel... c'est un peu des cacas. Hop. Donc PC x2. C'est pas du luxe. Alors j'espère que l'arme est bien, au-delà de ça. Ah ! Bah c'est pas grave, hein, je lui mets quand même. Hop là ! Mais ils auraient pu laisser des cases en plus là, c'est nul. Allez, hop. Donc là on va essayer cascade de Bézaïde, je sais pas comment on dit. 30-75 à peu près. 30-75. Ah non, c'est à lui qu'il faut parler, ok. 30-75. Au niveau des coordonnées. Recherche. 30. Donc ça va être. Par là. Et ben c'est parti. Hop, on fait au fur et à mesure pour pas s'emmêler les pinceaux. Tac. Et après il y a aussi des mots de passe. J'en ai 3 sous les yeux, on fera ça juste après. Donc ça je sais même pas comment on fait pour le trouver quand on n'a pas le guide. Pourtant à l'époque j'en avais trouvé, mais. Ou alors j'appuie sur X, enfin croix un peu partout au hasard. Donc Kimari. Tu as une nouvelle lance qui peut pas être pire que celle-ci. Alors c'est quoi la différence entre représailles et contre-attaque? J'aimais bien analyse, c'est lui qui me faisait les analyses. Ouais mais il est nul au corps à corps, donc pour l'instant on va pas lui mettre. On verra un peu plus tard quand il aura évolué davantage.
C'est chiant parce que l'analyse c'est une compétence de base, mais je trouve ça quasiment indispensable, quoi. Enfin, indispensable. Ça, c'est pratique. Quoique, après, j'ai la magie scan, hein, donc de toute façon, je peux éventuellement m'en passer. Enfin, bref. Ensuite, on va regarder les ruines de Mayenne. Ruines de Mayenne, c'est 35-57. À peu près, hein. 35. Par là. Allez, c'est parti. Ruine de Mayenne. Tu te prends pour Mario, tout va bien. Donc là, c'est une arme pour Riku. Ah ouais, mais Riku, je lui ai mis MP plus 1. Je vais pas lui changer d'arme, hein. MP plus 1, MP1, je veux dire. Ouh, des gens qui courent. Ah, je suis tout au fond, d'accord. Éclaireuse. Équipement. Ah, Riku. Attends, je l'avais mis MP1, je l'ai mis où? Ah d'accord, mais je l'avais pas équipé. Tout va bien. Attaque surprise. Oh ouais, mais bon, comme les boss sont souvent immunisés à poison. Mais ça peut être pas mal contre les boss, je lui mets plutôt ça. Et contre les monstres de base. Hop, plutôt ça. Ça me paraît pas trop mal. Encore une fois, faudra que je pense à changer, bien sûr. C'est pas gagné. Ouais, parce que MP1, pour elle c'est intéressant vu que je lui ai appris Sidéral. Ça lui permet de faire quelques dégâts quand même. Sans gaspiller trop de MP. Ensuite il y a l'anneau spectral. Au niveau du champ de bataille, c'est 40-57. Non, pardon, chut. J'ai même pas regardé ce qu'il disait. Validé, merci. On a dit 30. Merde, 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 pardon. 40. 57. Par ici. Champ de bataille. C'est parti. Tac. Anneau spectral pour Loulou. Ah bah je venais de lui modifier son anneau. Enfin, je pense pas avoir mis des choses super. Parce que justement, j'avais peur de trouver des choses meilleures juste après. Alors, anneau spectral. Équipement, Loulou, tu es en tête. Ouais, je lui ai mis ça, c'est un peu basique. Ça absorbe les éléments. Sauf la foudre. Ouais, selon les situations. De toute façon, j'y pense jamais, mais même en combat, on peut modifier là. C'est comme pour Wakage. Je lui ai mis quoi? Normalement, il a une autre arme, non? Je l'ai pas acheté. D'accord. C'est pas grave. Retourner au vaisseau. Après, on va utiliser les trois mots de passe. Donc, normalement, on peut les trouver en déchiffrant des. Comment ils disent? En déchiffrant des messages Albed à certains endroits sur Spira. Bon, on va tricher, hein. Sensible à la case, c'est-à-dire qu'il faut mettre des majuscules comme c'est indiqué. Carré ça efface pas, merde, crédit. Tac, normalement c'est bon. Je vais vérifier, ouais, vu que c'est laborieux, on va prendre le temps de vérifier, normalement c'est bon. Mot de passe invalide. J'ai envie de dire, soit j'ai fait une faute de frappe, soit je suis bigleux. Je retente. God End, tout simplement. What the fuck? Donc les énigmes Albed qu'elle renferme sont les clés vers des trésors millénaires. Entrez les mots de passe que vous aurez obtenus en les résolvant dans le décodeur. Je peux pas les taper direct, comment ça se passe? On va essayer Victoria ensuite. Putain, pourquoi ça passe pas? Bon, alors faut aller lire les trucs d'abord. On va essayer Murazam, mais je crois que ça va pas marcher non plus, c'est génial. Allez, mais qu'est-ce qu'ils me font cagué?
ce mot de passe permet d'accéder à un autre lieu secret dans les ruines de Veseid. Putain, je vais essayer avec des minuscules alors. C'est chiant, bon au pire j'arrête là, je vais pas vous montrer ça pendant 3 ans. Bon, j'ai pas compris pour ça, bref. On va retourner... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux pas retourner sur le vaisseau, merci. J'ai pas compris pour les mots de passe, tant pis. Recherche, non. Je vais retourner voir le vieux. Pleine félicité, oui. Here we go. Ouais, mais j'ai pas compris pour les mots de passe. Je lirai un peu plus en détail plus tard. Parce que j'ai pas lu toute la page, il y a peut-être une autre info. On va retourner voir le sadique qui nous donne des monstres. Impossible à battre. Alors. En même temps je lis, oui c'est par là. Tac. Non mais je vois rien. Alors après mail vous trouverez des descriptions précises du temple de Bash et des ruines d'Omega plus loin dans ce chapitre. Non non non. D'accord. Bon, je sais pas. J'ai pas davantage d'infos pour les mots de passe. Chouchouchou, je ne comprends pas. Bon, est-ce que t'as d'autres monstres impossibles? Non, t'en as plus? D'accord, donc je suis revenu pour rien. Diablotin. M'entraîner, bon, on va juste regarder un petit peu où j'en suis. Ruine d'Oméga, j'ai rien du tout. Mongle Gazette. Ah, j'ai pas tout à 10. Hein. Je suis pas loin, mais. Zone complète. J'ai eu ça et ça. Monstres originaux. Le Terraglouton. Ouais, des trucs que j'ai pas réussi à battre. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'ils indiquent pas si j'ai réussi à les battre. Enfin, je sais que lui, j'ai réussi à le battre, c'est le seul. Mais dans les premiers trucs, ouais, j'ai rien capturé. Hein. Donc, forcément, faudrait que j'y retourne. Et ça, je sais pas ce que c'est. Bref, comme ils disent, on verra plus tard. Orange, je t'avais acheté une arme, je crois, pour capturer. Oui, c'est ça. On va retourner voir le temple des Sœurs Magus. Normalement, j'ai ce qu'il faut pour y accéder. Hop. C'est parti. Alors, faut faire tout le tour. C'est très passionnant. Normalement, j'ai les objets nécessaires pour atteindre les Sœurs Magus. Alors, je sais pas si c'est un temple classique, entre guillemets. Avec une épreuve. Une épreuve casse-tête. Puis après, il me manquera Anima. Mais faut peut-être que je retourne dans le temple de Zanarkand récupérer... l'objet, je ne sais pas. Alors... toi, je te parle pas. Hop, on va tout au fond. Eh, vous foutez pas de ma tronche? J'ai la tiare. Ça suffit pas, la tiare? Putain, je suis pas venu là pour rien, quand même. Elle est où, cette... eh ben, j'ai les deux, là. C'est pas suffisant? Ah non, mais elles sont trois, donc il faut trois trucs, logiquement. Oh, mais comme je suis un boulet... attendez, je fais une pause, je vais regarder dans le bouquin. Alors, j'ai un souci, parce qu'ils me disent qu'il faut juste ramener la tiare de bourgeon et la tiare fleurie, il n'y en a pas une troisième. Le truc qu'il y a là, c'est le manuel numéro 26. Mais alors, je ne comprends pas. J'ai les deux trucs. Laissez-moi passer. Faut que je te parle à toi, peut-être. Elle parle plus.
Bon, comment je fais du coup? Je ne comprends pas, bordel. J'ai les deux tiers, laissez-moi passer. C'est quoi ce bordel? Au secours. Et puis bien sûr, le guide nous dit juste d'emmener les deux tiers, et une fois qu'on les a recrutés, je sais pas quoi, blablabla. Mais ils nous disent pas ce qu'il faut faire entre. Putain, mais c'est quoi cette blague là? Eh oh, j'ai les deux tiers. Objet. Objet clé. Faites-moi pas cailler. Ou alors faut avoir Anima d'abord, mais c'est pas précisé, je sais pas. Parce que même si on suit l'ordre du guide, c'est les Magus, Yojimbo et Anima. Donc, a priori, il n'y a pas d'ordre. Là, c'est moi, passez, j'ai les deux tiers. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu est bugué. Au secours. Bon, je vais essayer d'aller voir pour Anima, du coup. Je vais quand même prendre le temps d'aller regarder sur le net. Bon, bah j'ai regardé, je comprends pas trop, il y en a d'autres qui sont un peu dans le même cas. Mais il n'y a pas de réponse claire, donc je vais essayer d'aller chercher Anima d'abord. Mais alors ce qu'il y a, c'est que je sais pas si j'ai tout ce qu'il faut. Parce que bien sûr, j'ai pas pris le temps de lire. Liste, on va retourner sur Zanarkand. Ah, va falloir que je traverse tout. Bon. Here we go. Alors, je viens de vérifier, c'est bien ça. Il faut la sphère de destruction de Zanarkand. Et attendez, oui, je voyais pas de... Enfin, je croyais que la map s'arrêtait, je comprenais pas. Et par contre, après, il y a un boss qui a l'air un peu compliqué, puisqu'il a... Et je crois que Fossil, ça élimine complètement du combat, donc... Je suis un peu dans la merde. Donc toi tu as PC x2, c'est nickel. Pff, allez, on s'en fout. On bombarde. Donc normalement elle fait... Ah oui, elle c'est 2 du coup vu qu'elle a la compétence trans. Tiens, mange. C'est cool, il laisse la musique pendant les combats. Peut-être faire participer tout le monde quand même. Hein. Par contre, j'ai plus personne qui analyse. Putain. Ah oui, des remèdes. On en repique, ça fera pas de mal. Un Riku. Technique volée. Si, peut-être que Kimari a encore un remède, je ne sais plus. Remède. Pff, oh là là, analyse. Oui, il l'a encore. Waka. Waka Waka vient capturer Mandragore. D'accord, on peut plus. C'est parfait. Hop. Lance Venom. Donc, en théorie, c'est du poison. Équipement. On sait jamais, c'est peut-être une arme avec. Ah, j'allais dire 4 cases. Mais c'est pas si mal, hein. Ça aurait été idéal avec 4 cases, j'aurais mis un bonus d'attaque et analyse. Ah bon, on laisse comme ça pour le moment. Allez, on trace. Vite, vite, vite. On va chercher la sphère. Ça aussi c'est... C'est chiant, pourquoi on peut pas la récupérer tout de suite? C'est nul. Tiens, eux on va les éliminer rapidement. Technique volée. Lui c'est potion plus, lui je sais plus ce qu'il donne. Remontant. Hop, Ariman, c'est fait. Ensuite. Il va peut-être pas le one shot parce que je crois qu'il a dans les 9000 PV. Ah oui, mais il a plus percé du coup. Oh là là. J'ai tellement l'habitude qu'il l'ait systématiquement. Hop. Méga potion. Ah, elle vole des méga potions maintenant. Alors attendez, les méga potions, c'est ça, ok. Hmm.
Loulou. Magie noire. Ne l'achève pas, s'il te plaît. Quoique je... Là, je sais plus si j'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Le nombre de monstres maximum. Hop. Vas-y, boule de feu. Boum. Boum. Et boum. Putain, mais capturez-le, là, vite. Tidus. Bon, Yuna a pas participé. Mais c'est pas grave. Ah merde, je vais finir avec Oran. Non, bah alors, ok. Capturer Grendel, ouais. Il m'en faut encore. Alors attendez, je peux pas mettre du coup percé moi-même. Tac, tac, tac. Capture. Allez hop, on le met. J'ai des sphères clés niveau 2 à foison, donc c'est pas bien grave. Donc je crois qu'on en récupère sur les golems, hein, justement. Ou un behemoth. Je crois qu'il m'en manque que deux. Tiens, histoire que tu participes. Hop. Hop. Éjecté. Il va pas faire 20 000, comme le boss cheaté. Putain, il fait quand même 3000, hein. Il rigole pas. Yuna. Magie blanche. Autant lancer du soin max, hein. Ça coûte pas plus cher. Riku. Ouh oui, des éthers. Vol des éthers. Ah non, les éthers, ça doit être les objets non rares. J'ai dit vol des éthers. D'accord, merci beaucoup. Foudre plus. Terre, je veux des éthers, bordel. Loulou. Bon. Allez, ça va pas faire bien mal. Putain, mais j'arrive plus rien à voler là. J'arrive. Ouais, c'est français ce que je veux dire. Bon, tant pis. Parfait. Waka. Et pour finir, Oran. Allez. Hop là. No time to waste. Let's go. Attends, mais Tidus, il a pas eu PC x2 là. Il se fout de ma gueule. Attendez, oh, 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 c'est de l'arnaque ça? Ou alors faut qu'il soit sur le terrain? Ou faut que je regarde le détail? En tout cas, le total de PC gagné affiché n'est pas doublé. Ouh, nouvelle combinaison, j'ai jamais vu ça moi. Eux deux ensemble. Hop. Technique volée, je crois qu'ils sont des trucs bien eux. Sauce revigorante. Tu viendras le capturer. En attendant, magie noire brasier. Hop. Yuna. Technique prière. Ça va lui charger un petit peu sa jauge. Riku. Technique volée. Ah, rien. Allez les voleurs, tous ensemble. Oh mais allez D'habitude j'arrive à en voler au moins 3 là. C'est quoi cette arnaque? C'est à cause de son lupin non? J'ai l'impression. Non, pas du tout. C'est que j'ai pas de chance, ok. Allez, je peux encore en voler un là. Bon tant pis. Tidus. Magie blanche. Soin max. Ah oui, puis j'ai intérêt à utiliser soin en combat. Parce que hors combat, le MP1 ne fonctionne pas, je crois.
Allez hop, un dernier coup. Run. Mais je crois que pareil, je les ai capturés. Merde, il est pas mort. Ah, je voulais que tu sois sur le terrain pour voir. Bon, protège-toi. Voilà, il lève les bras, tout va bien. Technique volée. Farewell. Ouais, impossible d'en capturer. Perte de temps, c'est pas grave. Mais il a gagné 8000. C'est pas doublé ça. Hein. Entre 6000 et 8000, j'appelle pas ça doublé. Hein. C'est quoi cette arnaque? PC x2, pas PC x1,2. Pourquoi? Ou alors faut que ce soit lui qui achève les monstres? Je sais pas, je comprends pas trop. Parce que pour moi, PC x2, ça veut dire tout simplement PC multiplié par 2. Pas besoin de chercher. Midi à 14h. Hop. Allez hop. On va K. Oh non, il y a un fou. Au secours, il va nous tuer. Magie blanche. Et Zuna. Hop. Calme ta joie, toi. Hop. Reprends-toi. Parfait. Loulou. Tac, tac, tac. Avec vous. Remettre x3. Hey, donne-moi des remèdes. Fais pas ton radin. Putain, mais d'habitude, il me fait pas ça. Y'a pas de fou, y'a pas de fou. Qui m'arrive? D'accord. Tilus. Allez, on va lancer l'overdrive. Flip-flap. Parfait. Et Waka pour finir. Ah oui, mais Waka il a obscurité. Bon bah Auron. As you wish. Farewell. That's how it's done. C'est de l'arnaque. C'est de la renaque, je vous le dis. Non, j'essaie de chercher une explication, je vois pas. Bon, bah, je vous passe le combat, c'est toujours la même chose là. Et normalement, ça devrait l'achever, voilà. Attention, on regarde ses PC. Ah là, x2, voilà. Donc ça veut dire quoi? Faut que ce soit lui qui élimine le monstre. K6 arsenic, donc c'est du poison, ça en théorie. Je vais certainement pas lui changer l'arme. Vu qu'elle a trans et MP+1. MP1, pourquoi j'ai MP+1 à chaque fois? Bon allez, on trace. Ouh, il y a un truc pour se téléporter. Alors attendez, déjà. On va sauvegarder. Par contre, j'ai l'impression que ça ramène en arrière. Pour je ne sais pas. Tac. Allez, allez, la sauvegarde, on se dépêche. Qu'est-ce que c'est? Attendez, hey, j'ai pas eu le temps de lire. Non. Ah, l'arnaque de merde. Ah, mais il y a un truc, d'accord. Oh là là, mais je suis vraiment boulé. Hein. Dom. Manga Gazette. Dom. J'avais même pas vu qu'il y avait ça. Je suis tapé toute cette marche, enfin pas pour rien, mais presque. Galerie du Dôme. Oh, ils ont dû me dire qu'il y avait un téléporteur là. Surtout qu'il n'était pas là du tout avant, mais bon, c'est pas grave.
Au prochain point de sauvegarde, je vais prendre le temps d'améliorer mes persos. Bon, voilà, c'est fait. Hop, on repasse là-dessus un petit coup pour recharger les HP. Alors, apparemment, il y a un nouveau symbole à faire. Ouh, attendez, j'ai rien dit là. Ça commence ici déjà ? Non. Oui, c'est bien ce qui me semblait, c'est juste dans l'autre salle. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Non mais c'est... Ah, j'ai pas lu le détail. Oh. Qu'est-ce que c'est ce symbole là ? Ça veut rien dire. Je ne comprends pas. Me dites pas que je suis venu là pour rien, sinon ça va chier. Ah, faut que j'allume tous les carrés en fait. C'est ça ? Est-ce qu'il y en a dans cette salle ? Apparemment oui. Alors attendez, ça est-ce que c'en est un ? Oui. Donc il y en a 7. Ça c'en est un aussi. Non, ça n'est pas un. Attendez dans l'angle, j'ai pas bien regardé. On va dire que c'en est un. Oui. Donc il m'en reste 4 à allumer. Alors. Ça c'en est un, je crois. Ouais. Ensuite. Attendez. Je prends le temps d'observer. Ça, ça doit en être un. Bon, j'ai perdu le compte, mais c'est pas grave. Ça c'en est un. Ah, je crois qu'il m'en reste un seul à trouver. Qui doit être... Attendez. Pas ici. Si, ici. Ah, merde! Credit. Je dois tout me retaper. Fais chier. Non, c'était pas celui-là non plus, d'accord. Oui, chut, c'est bon, on a compris. C'était celui-là. D'accord. C'est génial. Ensuite, on a dit... Celui-ci. Il en reste un juste là. Et les trois dans la première salle. Sauf que bien sûr, la première salle, je la connais pas très bien. Je me rappelle qu'il y en a un dans l'angle tout de suite. Et ensuite, c'était un peu au pif tout à l'heure. Ça. Et attention, le dernier... Putain, est-ce que c'est celui-là ? Attendez, parce que là, si ça fait un carré, ça fait... Non, c'est celui-là. Parfait. Bon. C'était pas bien compliqué, voilà, juste... 15 secondes, le temps de comprendre le truc. Donc normalement, j'ai tout ce qu'il faut... pour atteindre Anima. Sphère d'initié. Pourquoi ils appellent ça une sphère de destruction ? C'est une sphère d'initié. C'est pas une sphère de destruction. Allez, comme par hasard, j'ai choisi... Ah non, j'ai choisi le bon. J'ai rien dit. J'allais dire comme par hasard, j'ai choisi le mauvais. Allez, hop. Bâton magistère. Équipement, Yuna. J'ai MP1. Qu'est-ce que j'en fasse de ton demi-MP, là? Bon. Alors, il me faudrait défense fossile. Est-ce que je les ai sur les trois, là? Ah, normalement, j'en ai gardé. Voilà, mais c'est pour lui. Eh oui, donc voilà, aucun des trois ne l'a. Défense fossile. Je suis pas dans la merde. Je vais aller voir Rin. Non, mais même Rin, je crois qu'il l'a pas. Alors attendez. Niveau des modifications. Mais je vais pas pouvoir l'apprendre à tout le monde. Hein. Je peux même pas apprendre défense fossile plus.
putain, vous me faites chier. Et défense mort. Parce que ça veut dire, vu que c'est pas défense fossile plus, c'est que ça peut passer. Et je peux même pas prendre défense mort. Oh bordel. Vous m'enquiquinez. Comment je fais du coup? Hein? Je me fais exploser? Parce que même si les persos sont assez puissants, les altérations d'état, c'est dévastateur. Ou alors faut que je refasse le tour des magasins pour essayer de retrouver des défenses fossiles. Parce que je suis quasiment sûr qu'il y en avait à plusieurs endroits. Peut-être pas des défenses fossiles plus. Déjà on va voir Rin, mais je crois que Rin me vend uniquement du HP plus 10 hein, au niveau des accessoires. Lady Yuna has become a gentle nature. Oui. Oui, je suis pas là pour parler, merci. Oui. Lord Braska wanted peace between his people and ours. Vous discuterez plus tard. He would occasionally visit the home of the. Mais... So that's how he met Cid's sister. They ran off together into the night. Sounds like love. Wow, Cid must have been furious. Yes, he wouldn't talk to her after that. But when Yuna was born, they made up again. His sister took off for home at once. But then her ship. Sin. That incident turned Lord Braska down the summoner's path. Everything leads back to Sin. But you put an end to it. With a vengeance. I pray for your success. Oui, bah donne-moi des objets au lieu de les vendre hors de prix. Oui, bon, alors c'était intéressant, mais je suis pas en état d'esprit pour le scénario, là. Je veux récupérer Anima, et oui, c'est que du HP plus 10, y a rien du tout. Bon. Alors, je vais prendre le temps de refaire quelques magasins, mais je vais vous l'épargner, parce que ça va être un petit peu long. Donc, je vous dis à tout à l'heure sur le vaisseau. Bon, déjà, je vais quand même retester les mots de passe. Donc, apparemment... sur jeuxvideo.com, ils nous disent de taper ceci. On va tenter... God Hand, de cette manière. Je sais même plus si je l'ai tapé comme ça. Putain de guide de merde! Il nous dit God Hand, tout en majuscule, attaché. Donc tu vois, ce guide de merde là, vous pouvez vous le foutre au cul, bande de trou du cul, va. Putain, guide de merde qui nous dit de la merde. C'est ridicule, et c'est de l'arnaque surtout. Punaise. Ils sont même pas foutus de mettre les infos correctes. Putain, ils ont dû torcher ça ultra rapidement. Et voilà, là ça marche. C'est vraiment des bâtards. Putain. Vous me saoulez avec le bouquin de merde incomplet. Et faux, enfin voilà, il y a des trucs faux. C'est de l'arnaque. Remboursez, rendez-moi mes 20 euros. Surtout que je l'ai vu juste après pendant les soldes à 10 euros à la Fnac. Donc j'étais encore plus dégoûté. Victoria. Il essaye d'exécuter une arme en plus, Victoria. Mais guide de merde. Sérieusement. Bon, c'est pas ce que je cherchais. Bref, du coup j'en profite pour les récupérer ce que je viens de trouver. Punaise. Bouquin en mousse. En attendant, je vais commencer à chercher fossiles. Parce que là, je suis allé dans la pleine félicité, c'est les mêmes armes que Rin. Oula. Donc là, c'est Victoria. Équipement, Riku. Ah ben, tu vas garder ton truc, écoute. Hein. Hop. Retourner au vaisseau. Ensuite, on va aller chercher
Un deuxième. Alors, liste. Tac. Bah, c'est ça, les ruines 2. Et ensuite, Mykoros. Oh, alors attendez, je regarde juste un truc. Modifier. Mort plus, je peux m'en faire un, mais souffle de l'au-delà, quoi, ça me bouffe tout, quoi. Fossile, ouais. Tac. Murasam, ça c'est pour Oron. Je crois qu'il y a MP+. Enfin, pourquoi j'ai MP+, à chaque fois? MP1, tout simplement. De toute façon, c'est ça que t'as plutôt par défaut. Percer MP1. Ah, mais ça peut être pas mal. Attendez, c'est que pour la magie ou c'est aussi pour les capacités? Parce que si c'est pour les capacités, ça peut être assez intéressant vu qu'il a pas énormément de MP. Ça permet d'utiliser des compétences sans trop se soucier du stock de MP. Ouais, bah c'est même mieux que son Kagero, là, Kagero. Modifier. Peut-être que je vais même... Ah oui, mais je peux pas mettre attaque plus ici. Je sais pas. Bon, bref. On retourne au vaisseau et on va aller chercher le dernier truc. Alors, route des Mykoros. Ouais, en même temps, je regarde sur le net. C'est pour ça qu'il y a des petites coupures, on va dire. Hop, c'est... Non, Mykorox, qu'est-ce que je disais? Ouais, bref. Alors... Oh, putain. Je crois que c'est mal barré. Mais y a... on peut pas l'acheter directement? Bref, où c'est un peu plus grand que d'habitude. Ah non, je croyais que ça partait. J'ai rien dit. Oh, et des combats. Ça faisait longtemps. Tiens, bah ça va me permettre de capturer quelques monstres. Toi, avec ton arme buggée, là. 200, oulala. C'est ridicule. Run. Ah bah finalement, j'aurais dû prendre un... une arme pour capturer. Pour qui Marie aussi, surtout qu'elle coûte pas super cher. Bah Riku, écoute. Il y a peut-être quand même des objets intéressants à voler. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça. Voilà, globe électrique. C'est mieux que rien. Hop là. Ouais, mais je crois que... Oh là là. On les vole au basilic de la route de José. Pleine félicité. D'accord. Bon, bref. Apparemment, on peut pas acheter directement l'accessoire que je veux avec défense fossile plus. Je suis dans la merde. Pourtant, j'avais réussi à le passer à l'époque. Ça m'avait pas traumatisé, donc... Ah oui, mais d'accord, faut le miroir. Pardon. Ouais, faut vraiment que j'aille l'activer, ce truc. Hein. Oh là là. Bon. Ça a l'air d'être un gros truc. Ouais. Est-ce que Waka va le one-shot? Je ne sais pas. Suspense. Grenade aveuglante. Suspense. Yuna. Viens voler un coup. Technique volée. J'ai dit technique volée. Merci beaucoup, Ayop. Overkill, Garuda. Enfin, comme ça, au moins ça m'avance dans ma capture de monstre. C'est pas plus mal. 0 PC, sérieux? Faut pas abuser, oh. C'est pas parce que le monstre est faible qu'il faut donner 0 là. Bon, du coup, faudra que je revienne ici. Oh là là. J'espère que je vais pas oublier. Alors, les voleurs. Hop, sablier d'argent. Vas-y, hop, on le raquette. J'ai dit on le raquette. Donne-moi tout ce que t'as. Bon, il veut plus rien donner. Hop. Tant pis pour toi. Enfin, de toute façon... Globe électrique. Enfin, globe électrique, c'est peut-être pas quelque chose de très... très utile, on va dire. Allez, arrêtez de nous chatouiller, là. Technique, prière... Quoique, je vais atteindre le point de sauvegarde juste après. Ouais. C'est ridicule. Technique volée... Oui, parce qu'il donne pas des... Non, c'est pas des magiques au rock. Donc c'est
pas très utile, je pense. Waka. Hop là. Et pour finir, run. Capture-moi l'élémentaire rouge. Parfait. No time to waste. Let's go. Ah non, j'ai pas zéro, c'est qu'il y en a tellement peu et ça défile tellement vite que j'avais pas eu le temps de le voir. Au moins je récupère des sphères, c'est déjà ça. Hop, on retourne au vaisseau. Il faut vraiment que je pense à aller activer ce miroir là. Parce que c'est le deuxième coffre à côté duquel je passe. Alors attendez, avant d'y aller, je vais peut-être prendre le temps de sauvegarder parce que je sais pas s'il y a un point de sauvegarde avant le boss. Et on va tenter comme ça à l'arrache. Ce que je vais faire, je vais quand même les équiper. Toi, tu vas sortir ça. Oh. On va tous crever comme des merdes. PC x2, ouais, mais est-ce que ça va marcher contre ce boss? Bon, déjà, on va pas lui mettre l'arme qui a attaque haut, fraternité, hop. Oui, on sauvegarde. Et on va chercher Anima. Du moins, on va essayer. Liste. Ben, c'est le premier truc, hein. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Je ne sais même pas. Si j'ai laissé des trucs, moi. Comme des bouquins d'Albed, peut-être, par exemple. Déjà les... Hey, wow, c'est quoi cette blague? Hey! Vous moquez de moi? Faut sauter? Ah oui, d'accord. What's up? Something here? I almost got eaten by a fiend here. Payback time. I get the picture. All right, let's go. Vous auriez pas pu l'attaquer à la surface. Mais du coup, il apparaît aléatoirement ou attendez. Non, je voulais plonger, pas sortir de l'eau. Et comment il sort de l'eau? Hein? Le truc, il est à 3 km. Bref, plonger. Je sais pas s'il y a quelque chose à récupérer. Parce que bien sûr, cette portion du guide est très mal faite, il n'y a aucun détail. Je crois qu'il n'y a rien. Bon, on va avancer. On verra ce que ça donne. Il arrive. Oh oh oh, il va nous tuer. Elle a pas un truc pour nous protéger, elle? Spéciaux. Technique. Alchimie. Je suis sûr qu'il y a moyen de se faire un truc pour se protéger des altérations d'état. Mais je n'ai aucune idée de comment faire. Putain, ça m'énerve. Bon. Technique, on va commencer par piller. Voilà, Magic Rock Hall, le truc qui me sert à rien. Technique. DD+. Je suppose qu'il est immunisé. Encore une fois, je préfère faire ça plutôt que lancer Booster X, c'est très logique. Coup pétrifiant. Non. Ah, on est en train de crever comme des merdes. Eh mince, je voulais lancer de la foudre, pas de la... Oh là là. Je suis pas assez concentré parce que pourtant c'est facile, mais bon. Un petit peu de foot quand même. Allez. Magie blanche sidérale. Et puis j'ai même pas le petit tableau qui présente le boss habituel là. Ils sont chier. Hein. Ah au moins elle fait mal. Coup mortel, allez. Ça n'a pas marché, parfait. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il clignote?
Si t'es plus, tiens, tu vas arrêter de nous toucher, toi. Putain, t'es douce. Garde, allez, comme par hasard. Ah, il conseille de lancer des Magic Rock, mais bon, j'ai ça, c'est très efficace. Hein. Hop, 8000, je sais même pas combien de PV il a. Coup mortel. Magie blanche, sidéral. À fond. Surtout que ça consomme que 1 MP. Donc j'ai bien fait de gaspiller mes Tristella. Qu'est-ce qu'il a? Il s'énerve, il est mort. Bon, je crois qu'il est mort. Bon bah... Voilà la vraie difficulté, ouais, c'est qu'il fait... C'est coup pétrifiant. Sphère physique, griffe. Griffe. Je pense que c'est du caca. On est... Ah, sécurité. Ah non, c'est pas du caca. Pas du tout. Oula, oui. Compétence. Yuna. Oh, elle peut même pas nous soigner. Même si elle est en haut, elle peut nous soigner, là, sérieux. Plongée, j'ai vu un truc bouger, mais c'était peut-être... un bug, on va dire, entre guillemets. C'est quoi le truc au milieu, là? C'est rien? Tu vois qu'il y a une sphère. Bon, bref. Remonte. Comment on remonte? Non, je veux juste remonter, pas entièrement. Oh là là. Bon. Désolé. Il plongeait, mais comment on remonte, bande de patates? Y'a rien là, qu'est-ce qui se passe? La porte est sous l'eau, c'est ça? Alors... Est-ce qu'il va y avoir des combats? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on dirait qu'il n'y a rien. Tout le monde nous a rejoint, on sait pas comment. Vu qu'apparemment ils aiment pas l'eau, mais bon. Tout est allumé là? Ouh, un coffre, j'avais même pas vu. T'as fallu regarder une par une? Oh putain. Mégalixir, on prend. Ah, je crois qu'il disait qu'il y avait un autre coffre. Allez, plus vite! Ils vont pas nous montrer ça 6 fois! Méga Phoenix. Parce que de mémoire, il me semble que j'ai bien tout fait, hein. Oui, hein. Normalement. Ça devrait être bon. Où ça avait été fait. Et là... Oui, voilà, tout est allumé. C'est nickel. On va aller récupérer Anima. Qui normalement est très très puissante. Même si je m'en rappelle pas directement. Donc je suppose qu'elle a pas la limite des Maester Seymour's mother. So you know, yet still you seek my aid. My son,
Do you not hate him? It is all right. He is the one who sowed the seeds of hatred. He is to blame. But I am at fault for letting him become what he was. He was always alone, half Guardo, half man. I wanted to give him the strength to live by himself. And so I became a Faith. But because I let him taste power, he began to thirst for more. He was not satisfied with my Aeon. He wanted more, more power. And he found Sin. Yes. Come, Summoner. I will bestow you with my power. The Dark Aeon, Anima. Destroy Sin, and my son's obsession with it. Though it is small recompense for what I did to him. Donc Anima, on lui laisse son nom initial. Puis rien d'autre à faire. Non. Anima, on va regarder un peu ses stats. Ça doit faire mal. 7000, déjà il a beaucoup de PV. 99 en force. Overdrive, chaos. Apprendre, est-ce qu'il a déjà... Ah, il a toutes les altérations d'état déjà. C'est que j'ai pas assez. Bah si, j'ai assez. D'accord, c'est cool. Ça, ensuite... Trépan. Déchéance. Trépan. Et comment ça s'appelle pour baisser l'esprit? Bon bref, je vais lui apprendre. Hop. Encourager, viser, concentrer, dadada, sorcellerie. Bah ça vaut pas le coup d'apprendre Tricella ou Chimère. Scan. Ouais. Carapace, boomerang. Il a tous les sorts? Il a tous les sorts. Presque tous les sorts. Ah oui, non mais on a compétence apprise. Bah non, il a pas presque tous les sorts. Ah si, non mais là je suis dans... Oh là là. Pardon, c'est moi qui bug. Bah où c'est qu'on voit les magies? Montre-moi tes magies! On peut pas voir les magies qu'il a déjà acquis. C'est super. Bon, bref. Est-ce que ça se trouve il a Atomium et ce genre de truc? Je ne sais pas. Allez, on va vite fait aller chercher les sœurs Magus. Normalement ça devrait être bon, sinon je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Et ça pourrait être assez embêtant. Allez, dépêche-toi. Bah oui, parce que je vois pas. Attends, j'ai capturé toutes les chimères. Enfin, capturé. J'ai obtenu toutes les chimères. J'ai les deux tiars. Donc si c'est pas ça, je ne comprends pas ce qu'il faut. Allez. Dépêche-toi. Retourner au vaisseau. Je vais peut-être prendre le temps de sauvegarder quand même, on sait jamais. Tac, sauvegarder. Voilà, c'est fait. Hop hop hop. On est reparti, donc j'ai dit les sœurs Magus. On peut pas arriver directement au temple. Je crois pas. Hein. Pleine félicité. Ouais, y'a pas. C'est chiant ça. Here we go. Ouais, je t'ai pas coupé cette fois. Ouais, c'est chiant parce qu'on est obligé de se retaper la phase d'autre chocobo. Oui, je vais t'emprunter un chocobo.
parti, puis il faut que j'aille activer ce miroir. Parce qu'il y a un coffre à côté, il y a celui de Riku que j'ai loupé, enfin je crois que c'est Riku. Et celui de Tidus au fond de la plaine là-bas, tout au nord. Alors je sais que c'est dans la forêt là, juste au sud, mais je sais pas où exactement en fait. Je sais pas si c'est la... Non, je sais pas du tout. Si c'est là où on a vu l'espèce de sphère bizarre. J'en ai pas la moindre idée. Enfin, pour l'instant, on s'occupe des magus. Allez, avec toujours le petit macaque qui passe sa vie ici. Allez, allez. Putain, pourquoi ils ont fait un pont aussi long, sérieux? Bon, j'espère que cette fois c'est la bonne. Sinon, je désespère. Ah! Donc c'est peut-être ça, faut avoir toutes les chimères pour que ça marche. Ok. Oui. Hop. Ça y est, déjà? On voit pas le priant? Maria! Samantha et Annabella. Ok. Et ben on va enchaîner avec le combat de chimère. Delta. Ok. Bon. Cœur d'invoqueur. C'est quoi? Ça veut dire que j'ai toutes les invocations sur moi? Je ne sais pas, je suppose. Bon. Et ben on enchaîne avec un combat de chimère. Are you good enough, I wonder?